Growing up as a wine grower means acquiring new skills and coming to grips with new situations. Thus, when he arrived in Limoux, Jean-Claude Mas discovered a new profession, that of sparkling wine producer. As for the rest, he learned very quickly and even with a certain eagerness. Il y a ta marque dans ce vin, c'est que c'est gourmand. C'est gourmand, fruité, c'est expressif. C'est pas du tout un vin qui est dans l'austérité ou dans c'est droit, mais en même temps, ça démontre quelque chose et ça le démontre avec élégance, harmonie, joie aussi. Moi, ce que je cherche dans mes bulles, c'est bon, le fruit, mais la brioche aussi. Voilà. J'aime la brioche. Bon, c'est fou, on se croirait presque en Champagne ici, avec toutes ces bouteilles sur latte. Voilà, on est dans l'antre du chai historique de Martinolles. Là, on fait nos créments, nos blanquettes, lieu historique, puisqu'on prétend être les premiers à avoir fait les vins effervescents en méthode traditionnelle. Donc, l'histoire de Limoux, 1541, on crée à Saint-Hilaire les premières méthodes traditionnelles avec un cépage blanquetier, le Mozac. Oui, qui est toujours là. Et toujours là. Et toujours obligatoire. 90% d'un assemblage. Mais il y a eu d'autres cépages qui sont arrivés quand même. Voilà. Il y a des cépages de... Au milieu du 20e siècle, bon, il y a le Chardonnay qui est arrivé, qui a le Chenin, le Pinot, le Pinot Noir. Et ça nous a permis de faire des créments en assemblage qui contiennent au moins 70% de Chardonnay. C'est ça, ouais. On imagine toujours que le Languedoc, c'est du vin rouge, mais c'est aussi une grande région de bulles aujourd'hui. Oui. Le Limoux est historiquement une grande région de vin blanc et de bulles. Et bon, on va dire que dans le Languedoc, Limoux, moi je me rappelle les vendangeurs qui venaient d'Espagne, ils venaient chez nous d'abord ramasser les aramons, les carignans dans la plaine. Dans la plaine de Béziers. Dans la plaine de Pézenas, là. Et après ils partaient à la montagne. Donc Limoux, on ne sait pas trop, c'est la montagne. C'est un peu... Et moi j'y suis revenu quand je me suis lancé, hein, il fallait que... Il fallait que j'élargisse un peu la capacité de production, parce que le domaine familial en 2000 il était tout petit, hein, on faisait 10 000 bouteilles, enfin je faisais 10 000 bouteilles. En m'associant avec quelqu'un sur Limoux, que j'ai développé une vraie activité d'achat de raisins, de vinification, et donc développé et connu le métier d'abord des vins tranquilles sur Limoux, surtout des blancs, des chardonnays. J'ai appris le métier, véritablement le métier de la méthode traditionnelle en 2011. Ce qu'il y a de fascinant dans la méthode traditionnelle, c'est qu'une bouteille, c'est une cuve. C'est une cuve. Chaque bouteille fermente à sa manière. Bon, on essaie de maîtriser. Donc tu vois là, les levures qui sont déposées, qui sont mortes, hein, qui ont fait leur deuxième fermentation, eh ben, elles vont rester là-dessus. Le vin va être élevé pendant un minimum de 12 mois. Et au bout de 12 mois, on va commencer à envisager de le dégorger. Avant de le dégorger, il faut le remuer, hein, faut faire tomber toutes ces levures qui vont descendre dans le goulot. La bouteille finira ce qu'on appelle sur pointe. Elle va aller au champagel, geler, retourner, expulser. Il faut voir qu'il y a 8 bars là-dedans. Il y a 8 bars. Dosage, méthode de dosage de la liqueur d'expédition, bouchage. Vintage. Ce qui est incroyable, c'est que tu fais plein de métiers différents. En Champagne, on en parlait, les gens ils font du champagne, mais ouais. Ils ne s'amusent pas à faire des rouges, ou enfin, un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais, toi, tu as appris plein de métiers. Oui, ouais, c'est le one-stop shopping. On va faire la méthode traditionnelle, on fait des vins tranquilles. Et après, je me suis frotté à faire des vins nous naturels du côté de Thuir. Hein. Voilà. Ouais. Beaucoup, donc, de oui, rosés aussi. Beaucoup de rosés aussi. Beaucoup de rosés, vin blanc, vin rose. Enfin, on va dire qu'il y a dans le vin, il y a plusieurs métiers. Parce que le métier faire de la méthode traditionnelle, ça oblige à une certaine viticulture qui n'est pas du tout la même que faire des vins blancs tranquilles. On recherche des acidités, on recherche des sous-maturités. Alors que dans le vin tranquille, on va rechercher la maturité parfaite. Donc, c'est effectivement, ça permet de faire travailler son cerveau. Et ça, c'est ce qu'il y a de fabuleux dans le métier. Parce qu'on a un rapport avec la nature et il faut tout le temps se remuer les ménages. Et ça demande quand même oui, un sacré remue-ménage et, ouais, et une sacrée souplesse. C'est aussi une région qui permet ça. Voilà, c'est un peu la région, sa diversité est extraordinaire. Et moi, je dis toujours, planter une vigne ici, c'est facile.
lorsqu'on choisit le bon cépage, le bon terroir, le bon accès à l'eau, enfin l'environnement, on peut faire venir tous les cépages. Et qui dit tous les cépages, ouais, dit faire tout type de vin. Je m'amuse à faire aujourd'hui des cépages italiens, une grande acidité, comme les Montepulciano. Voilà. Et celui qui est arrivé ici avec le chardonnay, il y a des vignerons qui, dans les années 80, fin des années 80, ont dit « Je vais planter du chardonnay », on les a pris pour des fous. Another discovery, the old Rivesaltes and the natural sweet wine. For Jean-Claude Mas, a man in a hurry, this wine that requires patience and time was not part of his universe. But when he discovered the old barrels sleeping in the cellar of Lauriga, his estate in Roussillon, the finesse of these wines did not leave him insensitive. Alors là, on arrive dans un métier que j'ai découvert en reprenant Lauriga, hein. Le hordage, le vin doux naturel. Le Rivesaltes, ça c'est vraiment, oui, c'est pas ta culture. Ça. Ah non, là c'est... Et puis alors, le Rivesaltes, il faut attendre, hein, parce que c'est 2011. Ouais. C'est en vidange, c'est... C'est en vidange, c'est au chaud, au froid. C'est à l'opposé de ce qu'on essaie de faire dans la main tranquille, quoi. Et le résultat, il est quand même surprenant. Hein. Alors ça, c'est assez bluffant. C'est assez bluffant et c'est pour ça que quand... Et du coup, tu continues. Et je continue. Et figure-toi que ça commence à décoller. Hein. Après... Ça, ces arômes-là, ça fait 6 ans que je l'ai repris le domaine et là ça commence à décoller. Ça vaut le coup d'être patient. Ouais. Donc les hordages, on assemble 3 millésimes, minimum 5 ans d'âge et minimum 3 millésimes. Ah, c'est bluffant. C'est super et c'est en pleine forme. Hein. Ça a 10 ans, mais c'est encore tout jeune. C'est incroyable. Ouais. Comme quoi le métier du vin, on en apprend tous les jours. But understanding all these professions leaves Jean-Claude Mas modest about his knowledge of wine, vineyards and vintages. Dans notre métier, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment bannir, c'est cette notion de croire qu'on sait. Il n'y a pas un millésime qui se ressemble. Comment peut-on prétendre, je vais faire ça parce que... Non, il n'y a pas un millésime qui se ressemble. Moi, je peux dire que j'ai fait 22 millésimes. Hein. On ne peut pas en dire que j'en ai fait plus. En 98, c'est là où je me suis vraiment intéressé au cave. Mais il n'y en a pas un qui se ressemble. Mais pas. Donc il y a déjà cette notion de... On part d'une feuille blanche tous les ans. À partir de là, déjà, tout est plus simple, parce qu'on est à l'écoute de tout. Ça, c'est une de mes forces. Après, il y a ce que j'aime ça, quoi. So, how to build and develop in this complex world of wine? As we shall see, Jean-Claude Mas has his own method.